your friendly neighborhood speed demon. I'm out to NASCAR, the fast car, to the last car, till there ain't no cars left. Let the gusts go by with enough dust flying around to make you cry back down and choke half near to death. I'm over here on your left. Also das Empfang Instrument, wo breit kann sich informieren über sämtliche Problematiken, die gehen. Und dafür haben wir auch ein Thema Gesicht einfach, wenn man davon eine Giffe schwätzen. Wen hat alles teilgeholt von Partizipant? Das ist ganz breit gefächert. Das geht von der Police und auf der einen Seite, die eben die Fehler vom Alkohol präsentiert sind. Auf der anderen Seite wäre es Croix Rouge, die über Dates-Beratung gemacht hat. Und auch nach La Main Tendue, die kann auch ein bisschen nachbringen, was am Anfang Viol ist, was Probleme sind von Cannabisbrauch, was Probleme sind, wenn Cannabis geschlagen gehen, Sécurité routière, die eben den Cannabis-Empfang gewiesen hat, wie, wenn ihnen durchgeschnallt ist am Auto, was da geschieht, an der Pierrot, wie eine Distanz dazu müssen anhalten, eben Pettinger Jugendhaus dann auch durchvertreten, für und allem, wie auch ein bisschen gewiesen, was wir eben mit den Jugendlichen machen. En fait, la SBL et SOS Viol Luxembourg a collaboré avec le planning familial. Et donc, pour nous, ce qui était important, c'était de faire sentir aux jeunes qu'il était capable de mieux communiquer pour essayer de diminuer la problématique de la violence dans les relations. On a essayé un autre jeu, on s'est rendu compte que ça fonctionnait moins bien, c'est le jeu du parachute. Où tous ensemble, dans une grande toile, on leur demandait de faire certaines choses. Vraiment, c'était des jeux de rôle, des mises en situation, on essayait de les faire réfléchir. Ça fonctionnait bien dans les jeux, mais c'est seulement après, dans la réflexion sur qu'est-ce qui s'est passé, que c'était un petit peu plus difficile. Et c'est pour ça que je disais, c'est peut-être à cause du français, finalement. Tu peux traduire à chaque fois? Chaque fois, les réactions des jeunes étaient relativement positives quand il y avait une réaction. Alors, ils disent aussi qu'ils ont beaucoup appris de certains ateliers parce que ça correspond à une certaine réalité, mais qu'en même temps, ça leur faisait du bien de venir dans notre atelier parce qu'aussi, on leur montrait qu'il n'y a pas seulement que des dangers et que des risques dans la vie, mais qu'on a chacun en nous une capacité à pouvoir dépasser ces dangers. Et donc, ça leur faisait du bien. De pouvoir vivre quelque chose de positif aussi. Eux aussi nous donnent des solutions. Puis c'est aussi quelque part à, surtout ici, à se dire, tiens, moi je pense comme ça, mais il y a peut-être aussi comme ça, comme ça. C'est d'essayer d'un peu ouvrir l'esprit pour justement trouver d'autres solutions. Et c'est ça aussi que j'essaye de faire passer, quoi. C'est vraiment le plaisir aussi d'amener les personnes à découvrir qu'elles ont en elles-mêmes des ressources. Et ça, c'est un travail qui est vraiment agréable. Ce n'est pas toujours de mettre les warnings et de faire Achtung, mais en même temps, c'est de dire, tiens, derrière tout ça, derrière tout le noir que toi tu vois, il y a en toi une petite étincelle et on va la chercher ensemble. Donc ça me passionne beaucoup. C'est pour ça que je continue. In den Jugendlichen probiert, ein bisschen klar zu bringen, Alkoholabfluss und Steuer, eben auch die Gesetze, und wie dann Alkoholabfluss wirkt von zuvoren, wie sie da gesehen, wo eben mit dem Rauschbrill, wie sie dann reagieren müssen, und wie das eben hier sieht, die Bewegung und alles beeinträchtigt. Das nächste Brill, die geschlossen ist, die simuliert den Alkoholstoff von 1,3 Promille, und dann das Anfang nicht wie die Jugendlichen das Leute gesehen dadurch, mit das Anfang beeinträchtigt Körpergefühl, Gleichgewicht und wie sie da müssen, wie sie reagieren eben. Und da müssen verschiedene Atelier bei uns machen, wie über die Linie trippeln, bei einem Chariot Parcours fahren. Und so kleine Dometen, so Kannerspieler oder so. Fangen einfach so. On a réalisé 5 petits ateliers pour pouvoir leur permettre d'exprimer les émotions qu'ils ressentent. Donc on leur a exposé des violences qu'il peut y avoir suite à Internet, des méfiances qu'il peut y avoir. On leur a fait comprendre qu'ils devaient faire ressentir leurs émotions et que quand ils étaient en colère, la violence, il y avait autrement que la violence, que de taper, de faire mal.
Il y en a qui n'étaient pas du tout informés, donc ils ont posé des questions. Et disons que les jeunes ont été quand même assez ouverts par rapport aux problèmes. Ils sont extériorisés, ils ont laissé des mots qui sont assez touchants, quelques-uns parmi eux sont assez touchants. Étonnés dans le fait que peut-être il n'y a pas assez de, justement de prévention, que ce soit sur la violence ou dans n'importe quel thème de la violence. Et les jeunes veulent vraiment savoir. En fait, on a 3 élèves hier qui sont sortis en nous disant « Au moins aujourd'hui, on a appris quelque chose. » Bon, pour nous, c'était quelque chose de positif. Quelque part, on s'est dit « On a quand même fait ça pour quelque chose. » Nous, on est là au niveau de la prévention sida, quoi. Donc, de leur donner des informations et des outils. J'entends par là le préservatif et surtout comment utiliser un préservatif correctement pour se prévenir d'une maladie sexuellement transmissible et plus particulièrement du sida. Ici, ils étaient intéressés et je pense que on leur a appris beaucoup. On a été un peu étonnés de leur niveau. Sometimes that just happens by itself, doesn't it? Bon, c'était majoritairement des huitièmes, et généralement avec les huitièmes, il y a déjà une certaine connaissance. Mais ici, on s'est rendu compte qu'au niveau des modes de transmission, il fallait vraiment tout revoir, bien leur expliquer. Et je pense qu'ils auront au moins retenu ça, quoi. Je suis relatif, mais je pense qu'il faut faire toute cette sensibilisation vis-à-vis de la personne HIV positive. De un, pour arrêter la discrimination de ces personnes. Ce sont des personnes, oui, qui vivent avec un virus, qui vivent avec une maladie, mais qu'on peut approcher, discuter avec elles, etc. Et pour eux, de se rendre compte que, oui, tout compte fait, si on était dans le cas, c'est pas si facile que ça, et à ce moment-là, il vaut peut-être mieux éviter d'être dans le cas. J'espère que ça leur fait prendre un peu conscience de ça, quoi. Beaucoup plus que simplement dire ça se transmet par des relations sexuelles, quoi. Old thing slows down. Gotta find that clown that's gonna give you your scene to the traffic.